Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Et pendant que je relookais les petites jumelles, dont voici Garance, toute choupinette en violette, elle fait pipi dans sa couche. Oh la dégueulasse! Non mais franchement, hein, voilà. On a eu le temps que Frida vienne gueuler dans la chambre pour réveiller ses parents. Bref, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir grandir Frida. Frida, qui est donc la plus grande. Et elle se fait... Je vais baisser les murs. Non, 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 non. Et qu'est-ce que tu me fais, toi? Là, c'est des poupées. Mais hey, t'as un problème dans ta vie, toi. Mais elle est choupinette, par contre. Et oui, Non, putain, mais je vais la tuer. Éducation. Non, bah non. Mais non, mais va dormir. Non, mais va dormir, gars. T'es crevé, va dormir. Elle, elle est en forme. Oh my god, elle est enceinte. Oh non. Je voulais pas qu'elle soit enceinte. Surtout que j'ai pas enlevé la caractéristique du terrain, donc on va avoir droit à encore des jumeaux. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je sais plus où j'en étais, là. Oui, on va voir grandir Frida et Louis. Ouais, ouais, elle est enceinte. Elle va dormir. Et toi, t'es fatiguée, et ben c'est cool, tu vas aller faire la sieste, sachant que le lit est déjà pris. Est-ce que tu peux faire la sieste sur le tapis? Non. Alors tu vas faire la sieste là. Et alors, vous la voyez pas, mais Heidi, je l'ai donc rien fait brune. Hein. J'ai viré ses cheveux bleus dégueux. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle, normalement, elle a les sourcils roux. Donc peut-être qu'elle aurait dû être rousse, mais bon, c'est pas logique, hein, parce qu'entre une mère brune et un père blond... Non, 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 non. Oh, punaise. C'est... Donc non, je l'ai mise brune, enfin châtain comme sa maman, comme ça, au moins. Il n'y a pas de truc bizarre et on est bien. Voilà, là, on va avoir un peu de répit. Tout le monde va pouvoir dormir. Toi, je t'avais pas demandé de dormir. Bon, bah écoute, tu vas enchaîner les siestes et puis ce sera très bien comme ça. Et donc, on va faire les anniversaires avant qu'ils grandissent d'eux-mêmes. J'attends surtout qu'ils soient à peu près plus réveillés et puis ça va être bon. Je vous jure. Bon, ça va, au niveau thune, on est un peu monté parce que on n'a pas fini de faire l'aménagement des chambres là-haut. Ouais, ça va encore, hein. Celle des filles, elle est un peu plus complète que celle des... En gros, c'était pas garçon, mais des ados. Donc on va mettre Frida ici. Elle sera bien, elle sera tranquille. Et ouais, on va, je vais voir, on va essayer de faire du fric un peu aujourd'hui pour... Faut pas galérer. Faut pas galérer, encore une fois, payer les factures et compagnie. Alors, nous avons en droit d'auteur 176 simflouz. Oh, tu es fantastique, Cybèle. Tu sais tellement bien écrire. Alors, elle... Ok, bah va jouer. Tant que tu fais pas chier ton monde, c'est parfait. Voilà, ouais, je peux jouer. Ok, oui, pourquoi elle est avec le chien? Waga, waga, waga. Haha, le monde est tellement amusant. D'accord. D'accord, est-ce que tu... Non, 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 non. Tu ne réveilles pas ta mère, tu ne réveilles personne. D'ailleurs, tu vas te faire des qu'est-ce que c'est, des qu'est-ce que c'est, des qu'est-ce que c'est, prendre des restes. Non, tu vas attendre qu'on se lève. Qu'est-ce que c'est? Enlever le cadran, ben non, ça ira. Non, ben non. Tu vas et t'asseoir, tiens, comme ça, ça nous fera la... Ah non, mon dieu, il y en a quand c'est... Mais ils sont sérieux, mais pourquoi ils n'arrêtent pas de venir réveiller? Mais si t'es fatigué, tu vas dormir. Ah, oh, c'est pas possible, ces gosses. Eh ben, c'est trop tard. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Cybèle, elle a bien dormi. On va faire... faire le gâteau. Pour que faire grandir... les grands. Donc, Louis et Frida. Alors, courrier... Mon Dieu, courrier distribué. On est jeudi. Pourquoi il y a le courrier distribué? Il n'y a pas les factures, faut pas déconner. Prendre son courrier. Oh, j'ai peur. Bon, alors, le gâteau est prêt. On va pouvoir faire les anniversaires. C'est vrai que j'avais pas regardé les pseudo-cadeaux, là, qu'on avait reçus. C'est ça, les cadeaux?
Bah non, je ne sais pas. Inventaire. Non, lui il a toujours ça. Tiens, on va extraire. Une griffe de rapace. La griffe de rap. C'est quoi ce truc? Poisson-loup au sel. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça, c'est 70 boules. Allez, hop, paf, pif, pouf. Non, non, non. Alors, le courrier, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est ça! Ah, cool! C'est ça, justement, les cadeaux. Ils arrivent par le courrier, en fait. Tac, et tac. Oh là là, mais ça en fait des joujoux, là. Pour toute la marmaille qu'on a. Hop, une poupée. Oh, punaise. Et c'est lesquels les plus chers, en fait? Comme ça, on les revend. 50. 100. Oh, hop, ça, je le vends. Ça, on en a deux. Oh, 65 en plus. Je vends. 115! Non! Et ils sont généreux dans la famille. Hein. Bon, on va regarder ça. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Non, donc, on va souhaiter l'anniversaire de Louis. Louis, il va fêter son anniversaire. Il devient vieux. Il devient quarantenaire. Ne vous inquiétez pas, il sera toujours si sexy. Bon, il s'est un peu empâté, hein. Je vais le faire aller au sport quand même. Coucou Louis! Ta femme, elle va te faire un bisou. Bon anniversaire, Louis! Allez, les bougies, là, il y a 6 bougies. Jérôme a envoyé un cadeau à Louis. Ah oui, d'accord. C'est quand on a, du coup, être parent, qu'on a tous les trucs des cadeaux. Parce que j'allais dire, pourquoi d'un seul coup, j'ai reçu plein de cadeaux, quoi. Ah non, il est hors de question, qui que ce soit bouffe le gâteau. Hein, je dis ça. C'est celle-là, là! Va te faire foutre! Petite conne! Oh, je suis horrible. Non, joue avec ça. Non, joue. Joue. Hein? Tu touches pas au gâteau! Saloperie! Tu touches pas au gâteau! Mais non, mais c'est pas vrai! Putain de gosse de mes couilles! Oh, j'en peux plus! Allez, refaire un gâteau! C'est pas comme si. On avait que ça à foutre. Et elle a été dégueulée. Eh ben ouais. Mais t'es dégueulasse, si belle aussi. Allez, tu vas nettoyer. Non, mais le test de grossesse, on n'a pas besoin. On sait déjà que t'es enceinte, non? Là là, c'est pas vrai. Et cette petite conne là, elle nous fout en l'air le gâteau et elle bouffe même pas son gâteau. Oh j'adore les enfants. Ça se voit, hein. J'adore les enfants. Mais ça encore, ils sont virtuels ceux-là. Si j'en ai marre, j'arrête le jeu, quoi. Et comme ça, je les vois plus. Voilà, deuxième gâteau. Alors, aide à souffler les bougies. Aide assez à souffler les bougies pour Frida. Parce que moi, je vous rappelle Frida, 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 elle clignote. Mais Frida, elle n'est pas terrible au niveau. Enfin, j'ai dit. Eh, j'éduque peut-être très mal mes enfants de Sims, hein. On verra bien. Vas-y, arrête de jouer. Toi, tu viens ici, tu vas fêter ton anniversaire de ta fille. Oh, elle s'est un petit peu amincie, non, quand même. Allez, moi, je fais une petite photo. Oh, putain, c'est chiant, ça. Faudrait vraiment que je le défasse. Hein. Alors, à quoi elle ressemble? Frida vieillit. Ah, alors elle était charmeuse. Deux facultés sociales. Eh ben écoutez, on va faire faculté sociale. On s'en fout. Et choisissant un trait, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle était pas trop relou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en ai aucune idée. C'est toujours. Enfin, j'en ai marre d'avoir toujours les mêmes traits en fait. J'ai l'impression qu'on manque. Et non seulement des aspirations de gosse, il y en a très très peu. Et pareil, c'est chiant, on a très vite fait le tour. J'en ai marre des enfants créatifs. Les rats de bibliothèque. Voilà. Alors, elle ressemble à quoi? Avec sa coupe de garçon, là. Elle est malade. Super. Allez, tu vas pouvoir manger. Tu prends un morceau et puis tu vas te laver maintenant que t'es grande. D'accord, elle prend une salade au lieu de prendre le gâteau. On va mettre ça dans le frigo. Lorena y a envoyé un cadeau. Ben merci, grand-mère morte et enterrée. C'est sympathique. Oh, elle pue, hein.
Ouais, c'est quoi ces cheveux? Ça va bien pour les garçons, mais pas pour les filles. Alors, ça, elles vont être insupportables parce qu'elles auront bouffé du sucre. Voilà, elle est triste. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais tu vas me faire chier, non? Sans tout gâcher, exprimer son amour. Toi, t'es que tu vas pisser aussi, cocotte, et après tu bosses. Hein. Faut que tu fasses des livres, meuf, hein, parce que écrire hein, du jeu. Livre des joueurs. Ouais, parfait. Alors, tu parles pas à ta fille, on s'en fout. Il est parti faire quoi, lui? D'accord. Il est parti. Ah, peut-être mettre des trucs à la poubelle. Pardon, excuse-moi, Louis. J'ai un peu de mal à te suivre. Voilà. Il est parti se faire un bon petit footing, le petit Louis. Est-ce que là, il s'est un tout petit peu empâté? Un tout petit peu. Oh, minou. Un tout petit peu empâté et ça lui fera pas de mal, je pense. Je vais faire un peu de sport. Voilà. Frida fait ses devoirs pour la première fois et j'ai du coup demandé à Cybelle de l'aider. Je pense que ça peut être pas mal pour l'éducation. Enfin, je sais pas. Exprimer son amour. Oh. Ouais. Faut exprimer un peu qu'on l'aime. Éducation. Après, on a dit pardon. Encourager là. Encourager à faire ses devoirs. Oh bah oui! Ah ouais, ça pourrait être pas mal. C'est marrant parce qu'elle ressemble vraiment à un petit mec. Après, ça peut être sympathique de la faire elle en tant que garçon manqué. Au lieu de faire les filles très très féminines, c'est ce que j'aime bien faire. Moi, je fais toujours des Sims très très féminines. Et je trouve que ça pourrait être marrant de la faire un peu garçon manqué, Frida. Donc ça pourrait être sympa. On est en compétence 3 niveau éducation quand même pour Cybèle. Ça monte très très vite. Je suis pas sûre que... Plaisanter sur les crottes de nez, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans éducation? Mettre au lit, inciter à... Aider à satisfaire ses besoins. Demander de se laver. Faire une grimace, encourager à se retenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, prendre à dire s'il vous plaît et pardon, là. Oh! Oh, c'est marrant, elle éternue. Et comme elle se met, ça fait ça dans ses mains, et ben ça, c'est bien. Je sais pas, ça a peut-être rien à voir. Hein. Les manières. Ah! C'est rigolo. Vraiment. Allez, viens, rentre à la maison, toi. Tu vas prendre une douche et tu vas réparer les chiottes parce que ta fille aînée les a pétées. Bon, ça va en arranger un peu, il n'y a rien qui traîne. Voilà. Toi aussi, tu vas avoir besoin d'une petite douche, ma si belle. Voilà à quoi ressemble vraiment la petite Heidi. Elle est toute mignonne. Alors franchement, c'est vrai qu'au niveau des têtes, du physique des têtes, elles sont vraiment similaires les trois. C'est assez rigolo. Mais elles ont la même couleur d'yeux, des couleurs de leur père, les mêmes joues. Voilà, enfin c'est franchement, il y aura peut-être des différences bien sûr, on verra ça quand elles seront ados. Mais pour l'instant, elles se ressemblent énormément. Enfin donc du coup, sauf Heidi qui est pas blonde, parce que j'ai voulu faire qu'elle change un peu de tête. Voilà. C'est vrai que toi t'es pas bien, t'es éreinté, tu vas prendre un bain mon gars. Comme ça tu vas être pas mal. Alors. Plus on est de fou, plus on y a du riz, hein, comme on dit. Donc c'est bien, c'est que je vais pouvoir, avec toutes les assiettes, moi, me faire encore plus de pognon. Tu peux appeler à table, dans ce cas-là. Voilà. Tu peux appeler à table, s'il te plaît, Cybèle. Comme ça, tout le monde vient manger, parce que je crois qu'il y en a qui meurent de faim. Voilà. Mais non, mais t'es pas obligé de reprendre une assiette. Oh là là. C'est pas grave. Écoute, mange. C'est pas comme si Frida, mon Dieu, mais il faut vraiment que je la relook. Elle venait de manger, c'est pas grave, hein, elle va devenir obèse. Regardez-moi ces marmailles. Elle est colère parce qu'elle a faim et qu'elle est fatiguée, c'est bien. Et il faudra qu'on rachète un lit. Mais toi, tu vas pas manger ça, tu te fous de moi, non? Tiens, il y a une part là.
Voilà. Mange ça. Arrête avec le gâteau. Pas de gâteau. C'est après, c'est le dessert. C'est pas un repas, ça, un gâteau au chocolat. Voilà. Hein? Faut que je fasse tout ici. Mais punaise, c'est quoi ce frigo? Il y a toujours des trucs qui puent en 2 minutes, quoi. Bon, voilà les petites choupinettes. Des jumelles, pas très jumelles. Alors, est-ce que vous levez la tête? Vous voyez, elles se ressemblent hein, quand même. Par les cheveux. Mais du coup, je suis trop contente. Il y avait trop de trucs sympas dans les nouveaux kits et tout pour les bambins et tout. C'est trop mignon. Il y a une tenue que j'ai mis à Heidi, je crois. Qui est vraiment trop sympa. Alors, attends, on va voir. Qu'est-ce que tu peux dire à ta fille, toi? Raconter une histoire délicieuse. Discuter des centres d'intérêt. Et au niveau éducation, inciter à arranger ses jouets, à nettoyer les flaques, à ramasser les déchets. Ah oh ouais, tiens, ça pourrait être pas mal. T'as déjà fini de manger, Louis? Bon, c'est bien. Toi, t'es bien en forme aussi. Tiens, tu peux ranger ça. Hop. Comme ça, dès que sa grossesse n'est pas encore déclarée, je vais lui refaire faire un jogging. Après, elle ira aux toilettes. Ouais, ou avant, je m'en fiche. Mais tu devais pas parler avec ta fille, oui? D'accord. C'est vrai que l'étage, il fait tellement vide. Il fait pas habiter, en fait. Ah, ça y est. Ils vont se discuter. Alors, petite discussion. Père-fille à l'étage. Alors, ma fille, tu sais que dans la vie, il faut faire attention aux garçons. Les garçons peuvent être très méchants. Ouais, elle est fatiguée. On va lui faire prendre. Bah, je trouve que ça l'ira mieux celui-là de lit. Ça lui ira mieux. Et puis là, ouais, 23h, elle va aller à l'école pour la première fois le lendemain. Donc c'est plutôt pas mal. Elle pourra aller se coucher. Mais elle est fatiguée. Ils sont tous malades. Ou presque. C'est chiant. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est fatiguée. Ma cocotte, fais dodo. Ah non, le lit est vide. Donc tu peux aller dormir. Ta sœur, elle squatte. Ah, punaise, mais c'est pas possible. Fais dodo, là, vas-y, t'es dessus. Sur un pouf trop chouchou. Je crois que ça vient de chien et chat, ça. Hein. C'est trop mignon. Voilà. Elle est partie faire son footing, c'est parfait. Lui, il parle avec sa fille. Qui est mal à l'aise parce qu'elle est malade et que c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Il n'y a rien dans le coin, je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que t'as réclamé ton lit? Non, tu vas le réclamer. Et puis après, on va te relooker. Ben non, on va te relooker avant. Où est-ce qu'il y a un putain de miroir ici? J'ai pas fait de miroir. J'ai pas fait de miroir? Comment ça, j'ai pas fait de miroir? Bon, bah, meuf, tu vas redescendre. Tu vas redescendre, je vais y arriver, et tu vas prévoir une tenue. Tant pis. Parce qu'on va te relooker maintenant. Alors voilà à quoi ressemble Frida. On dirait vraiment pas une fille. Franchement, on dirait pas. Elle a cette coupe-là qui va, je pense, pour les deux, mais pour la relooker. Oh, j'ai plein de nouvelles coiffures! Ça pourrait être sympa. Pas du coup. Oh, c'est trop mignon ça. Mais non, elle est blonde, hein, Frida. Mais elle fait moins peur que. Ah non, elle a des pommettes de ouf. Mais on commence à vraiment avoir un visage bien proportionné. Elle a peut-être la bouche un peu grande, mais le nez est choupi. Elle a toujours les pommettes. Mais ça commence à être sympa. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme coupe de cheveux qui serait. Qui serait un peu garçon manqué. Oh non, ça c'est vraiment garçon quoi. Je vais quand même garder une petite touche de féminité. Oh là là, je sais plus parler. Ouais, non. Ah, c'est chou ça. Mais c'est bon, c'est pas très garçon manqué. Ah! Non, mais c'est bien pour. Ouais, en fait, il n'y a pas trop. Alors, comme son visage, il est. En fait, c'est soit ça fait tout mec, soit ça fait tout fille. Mais il n'y a peut-être pas entre les deux. Ok. Est-ce
Oh, ça c'est très très moche. Ça fait vraiment garçon, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Hey, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ma petite. Alors, on va voir si on peut te changer les sourcils pour te faire des sourcils un peu plus féminins pour qu'on se dise oui, c'est quand même plus une fille qu'un garçon. Ouais, je trouve que ça adoucit un peu et on dirait vraiment plus une nana, quoi. Oh, il n'y a pas 15 000 sourcils. Qu'est-ce que je peux te mettre? Bah oui, comme ça. Peut mettre du maquillage. Ouais, juste du maquillage comme ça. Oh! Chelou! C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Ok, c'est pas grave. Donc, en vêtements, Frida. Alors, on va voir tout ce qui est en nouveauté que je n'ai pas. Ok. Oh! Ah, c'est des paillettes! Ah, moi, j'adore les paillettes. Je suis fan de paillettes. Oh là, c'est moche. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ouais, non, bon. Ah, ça, c'est trop cool, hein, avec le chat. Le chat et la galaxie. Bref, elle a la classe. Alors, ça, c'est pas terrible. Pareil, il faudrait trouver quelque chose qui soit mi-garçon. Oh là là. Mi-garçon, mi-fille, quoi. Qui est fan de Justin Bieber? Il n'y a pas les descriptions dans les vêtements, c'est dommage. Ça, ah oui, ça, c'est pas mal. Une chemise, petit t-shirt, ça fait pas trop ni l'un ni l'autre. Ouais. Après, quelle couleur? J'ai l'impression que tout lui va plutôt bien. J'aime bien, même s'il y a du rose. Pour le pantalon, ouais, un petit pantalon. Ah, il y a un short là. C'est pas mal, hein. Comme ça. Les chaussures. Les grosses godasses. Après, voilà, des petites Vans comme ça. Vous voyez, ça fait un peu. Ouais, j'aime bien. Ça peut en faire un. Ça fait un peu fille. Garçon manqué, du coup on va lui mettre autre chose, on va lui mettre un pantalon. J'aime bien la forme de celui-là. Après voilà, un petit truc bleu. Et en haut, on va aussi mettre. Ouais, genre la nana, elle aime bien. Ah, ou ça? Il y a toujours un peu de rose, histoire de se dire, ok, c'est pas un garçon. Je sais pas. Je sais pas, je suis confuse. Ah, peut-être plus ça. Ah ouais, là, ça fait vraiment garçon manqué. Okay. C'est une fille, mais. Est-ce que je mets pas, genre. J'aime pas le jaune. Ok, cette couleur-là. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre un pantalon un peu plus foncé. Ah non, c'est celui-là. Franchement, c'est la même chose. Ah non, lui, il est un peu plus slim, d'accord. Ou foncé bleu, foncé comme ça. Ouais. Les petites chaussures. On va peut-être mettre des baskets pour le coup. Et puis on va lui mettre des chaussettes parce que c'est pas Jojo. Chaussettes, c'est ici. Chaussettes. Ouh, des chaussettes de différentes couleurs. Non, chaussettes noires. Voilà. C'est pas mal. Est-ce qu'elle a besoin de chaussettes là? On va lui en mettre. On va lui mettre des chaussettes roses. En crise. En cérémonie. Est-ce qu'on te ferait pas péter quand même un peu la robe? Un peu genre, ouais, la robe qu'on me force à mettre et tout. Ouf ça. Ouais, c'est chou ça. De toute façon, hein, la cérémonie, je vois pas trop quand on pourrait. C'est affreux ces pompes-là, mais je m'en fous. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça a de la custo, d'accord, je savais pas. Sans le sport, on n'en fait pas chez les enfants. Ouais, donc c'est très bien. Je sais plus ce que je disais. Oui, les cérémonies, on va peut-être pas en faire. Hein. J'aime bien le petit pyjama comme ça. On va te faire comme ça, c'est très bien. Ouh, la robe de soirée. T'as fait péter le style.
j'ai une nouvelle robe. Mais bon, hein, on est parti sur garçon, enfin garce. Oh là là, pff, bref, vous m'avez compris. Et ben voilà. C'est super comme style, ça. Donc ça. C'est affreux. Et surtout ces couleurs-là. Genre, la gamine, elle se pointe. Elle est vraiment... Ouais, non, bah plus ça. Ouais, gris-bleu, je trouve que ça s'accorde mieux que... Et la petite paire de baskets. Ouais, je t'ai vu, moi je suis une fille. Est-ce que... On peut te mettre un petit bonnet. Non, moi je veux des bonnets... Un bonnet... Ah ouais, trop le style comme ça. Eh. Elle est pas canon, ma petite Frida. Et en maillot de bain. Bon, ça, t'as un vrai maillot de bain. Alors, par contre, on va te mettre... truc bleu comme ça, voilà. Ça, on n'a pas de piscine, hein, on n'est pas assez riche pour ça. Du coup, je vous montre rapidement la tête plus près. Donc là, c'est Garance. Et elle fait un peu peur. Hein. Et là, c'est Bidounette, comment elle s'appelle déjà ? Heidi. Oui, alors c'est ça que je voulais faire avec les cheveux. Et Heidi. Voilà. Vous voyez, c'est un peu pareil. Elle a le nez un petit peu plus fin quand même. Bon voilà, à voir ce que ça donne pour la suite. Vous voyez, ma petite Cybèle est en train de vouloir dégueuler. Ah, Frida. Frida, tu dors pas dans le bon lit. Réclame celui-là. Allez, va te coucher. Ouais, va te coucher et dors. Oh, vas-y, ma belle. Je la trouve choupette quand même. Hein. Notre petit garçon manqué. Oh, elle a besoin de romantisme, Cybèle. Tu m'enquiquines un petit peu, ma belle. Hein. Voilà. Fais des bisous. Toi... Ah ouais, elle ouais, il n'y a pas de lit. Oh putain, c'est pas vrai. Non, tu vas... Ouais, va s'évanouir. Bon, bah écoutez, on va tout de suite acheter un lit. Bon, alors, j'ai dû faire quelques petits aménagements parce que la... La chambre est vraiment petite, petite, petite. Et Ok. Donc j'ai racheté un lit. J'ai racheté un lit et je l'ai fait... voilà, j'avais vu... Parce que je voulais pas remettre le même. Mais sauf que donc on n'a pas la même texture, là, enfin la même forme. Mais au moins... Non, toi tu vas pas faire de conneries, tu viens dormir. Et puis au moins les deux lits rentrent dans la chambre. Donc j'ai mis ça de berceau dans le couloir. J'ai viré le tapis de Coco parce que Coco n'est plus là. Le nounours aussi, il est dans le couloir. Bon, eh ben on verra si un jour on peut agrandir un chouille la chambre. Ça pourrait être pas mal. Tout le monde va se coucher. Nous avons encore nos... Qu'est-ce qui se passe? Intimité envahie. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais tout va bien. Et on finit bien sûr l'épisode avec le crac-crac de Cybèle, qui n'a pas encore déclaré sa grossesse. Elle ne devrait pas tarder quand même. Est-ce qu'on attend le fin de crac-crac? Non. Ah! Ça s'est enchaîné. En tout cas, moi je vous laisse ici. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du challenge. Allez, salut!